Petits-enfants. Tu as un fils de 3 ans, une petite fille d'un an et demi. De quel Burundi tu rêves maintenant, aujourd'hui? Vers quel changement tu veux aller? Ça, c'est une bonne question. En fait, c'est pour tout cela qu'on se bat. Si aujourd'hui on prend tous ces risques, c'est parce que on a grandi dans un pays de violence, dans un pays caractérisé par une série de cycles de violence. Alors, aujourd'hui, si on se bat, c'est pour un Burundi juste, solidaire, sans violence, mais aussi prospère. Alors, aujourd'hui, si on se bat pour le rétablissement d'un état de droit, c'est pour que tous ces enfants que nous sommes en train de mettre au monde, c'est pour que toute cette génération future puisse grandir dans une société sans violence, dans une société juste, dans une société tolérante, tu vois. En fait, c'est ça qu'on rêve, c'est notre rêve. Parce qu'on veut hériter notre pays à des enfants qui vont grandir dans une situation, dans une société civilisée. Sinon, les pratiques actuelles, c'est comme si c'est difficile de distinguer un pays et une jungle, quoi. C'est comme si on est dans la jungle, quoi. Alors voilà, aujourd'hui, on se bat parce qu'on a des convictions, parce qu'on veut hériter nos enfants en Burundi prospère, en Burundi uni, solidaire, et voilà, encore une fois, économiquement viable, quoi.